expérimenté et haïtien en soi. Donc l'homme haïtien faut garder lui bien parce que haïtien pas fin pas seulement monde, je pense il y a. Donc haïtien sont monde, sont monde spécial que lui est, donc faut traiter en tant que tel. Bonsoir tout le monde, nous va faire petit parler. On va parler politique non, mais nous va parler après-midi. Bonsoir Val. Bonsoir président Jean, bonsoir Gabriel Volchal, bonsoir campagne Joseph. Tout technicien qui permet que yo tande nous là. On salue tout le pays qui a capté l'émission, auditeurs, auditrices, et qui a coûté à l'étranger. Et comme d'habitude, par rapport à mission historique et citoyenne, nous gagnons. Donc nous, là, après-midi, pour échanger autour de comment la société nous a fonctionné. Incapacité d'État, certainement, et pour le permettre d'avancer le citoyen et citoyenne. Donc, je viens de quoi manger et permettre que nous vivre dignement sur terre d'Haïti. Et ça fait justement, je dis, question migratoire, notamment la migration externe, donc à l'honneur. Mais nous là, pour nous garder ça bien. Regarde. Il y a foot démissionnaire, je comprends ça, je connais, mais si je comprends, parce que moi, j'ai une compréhension, même dans le temps de nous, je dis à vous, je suis là. Vous allez en aller, non? Bon, écoutez, donc en fait, pour question d'émission foot la gare. Parce que c'est pas premier bagage gare. D'émission c'est son acte volontaire. Donc évidemment et raison qui que l'expliquer que l'évoquer qui expliquer d'émission c'est que il estime que les autorités américaines ont attitude inhumaine vis-à-vis des haïtiens haïtiennes qui certainement et sous tout réseau yo. Donc image yo montrer que eh bien c'est le monde qui subit de mauvais traitements. Donc en fait pratiquement dans cadre société dans cadre relation moun à moun dans cadre façon que on moun ouais moun mode de relation développé avec eh bien si nous basons sur raison ça lui même comme émissaire spécial en Haïti, mais comme être humain avant tout, eh bien, lui estimer que ce n'est pas d'aller traitement ça. Parce que la raison fondamentale là, c'est attitude inhumaine ça. Et certainement, qui explique l'émission. Donc maintenant, est-ce que il y a une autre raison que le pas expliquer et nous ne connaissons pas? Est-ce que ça qui posait comme acte encore attitude inhumaine que les autorités américaines ou les représentants en fait des États-Unis d'Amérique affichaient vis-à-vis des haïtiens des haïtiennes qui eux-mêmes voulaient en fait à chercher la vie de l'autre côté, est-ce que les sentis bagaille ça qu'a mité car une difficile mission que l'on a en Haïti. Nous pas connaître, moi-même, mon petit Jean voulait interrogatif, est-ce que tout, puisque on ensemble de spécialistes en matière de relations internationales, de droit international, ils ont montré que eh bien, les procédures n'ont pas été respectées dans le cadre, en fait, ça et les déportations ensemble d'Haïtiens, Haïtiennes qui t'a dû traverser en fait aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, on pense que nous garder à l'argent pour nous garder là, puisque encore une fois, on démission son acte volontaire. Et lui-même, il dit, il choisit de missionner, puisqu'il n'a pas cautionné ça. Moi-même, c'est comme ça que je comprends. Donc peut-être qu'il y a une autre raison. Il y a une autre raison que lui, peut-être pas évoqué. Mais en tout cas, la raison fondamentale là, nous garder et Jean pour nous garder là. Et foot, il est justement montré que, en tout cas lui-même, ils sont humains. Il pensait que haïtien, haïtienne, comme être humain pareil, qui guesse, même Javel, t'es doué contre l'autre traitement. Autorité américaine, t'es doué, selon s'il a fait des déductions, selon en fait attitude foot là, comportement qui consistait à démissionner par rapport à ça qui passait, pour lui-même,
C'est-à-dire qu'on a l'autre mode de relation, on a l'autre mode de traitement vis-à-vis des Haïtiens. Très bien. Donc, Marco Moi, je vais parler sous angle migratoire là. Ça m'a ajouté dans démission foot là. Et autant que bien comprendre ça que lit de lettre de démission, parce que nous avons fait analyse là, ben, nous avons dit ça nous pensait à partir de lettre de démission Daniel Foot là. Et nous avons dit, élément déclencheur sous l'illette là, alors l'illette là, l'île bien comprendre. Donc c'est situation migratoire qui gagne dans la zone Texas là, type de traitement qui est infligé à Haïtien. Mais Daniel Foot, c'est un envoyé de l'administration Biden. Donc son envoyé démocrate. Et souterrain à côté nous y est là, et t'es gagné des représentants de l'administration de Trump, qui c'est eux-mêmes républicains. Donc républicains avec démocrates, c'est sûr que tous les deux ont défendu le pays, mais approche en général, ils pas même. Donc, et ça faut qu'on comprenne que au départ, il y a des positions que l'ambassade américaine prend à travers le corps groupe que Foot et lui-même n'est pas dans ses collés avec eux. Et l'administration américaine dans lui-même, on a dit de Washington d'ici et tant, gagne un ensemble de bagailles que yo pas connaît de Haïti aujourd'hui. Surtout c'est une nouvelle administration. Maintenant Foot qui vient là, monsieur des possibilités pour le frotter avec différents acteurs politiques yo, monsieur des possibilités pour le vivre un petit temps en dans pays là et rendre compte qui problème qui gagne en dans pays là. Donc monsieur là tenant l'être là que même des employés ou même des Américains qui a travaillé en Haïti pour ambassade là obligé entrer dans une sorte de confinement en matière de sécurité pour éviter que comme si des malheurs arrivent. Et monsieur essayait plus ou moins ouais qui gens lui qu'a mettre ça par rapport avec situation migrant et que un pays qui comme ça qui monde pas qu'à vivre là-dedans du tout et puis administration américaine administration Biden non c'est traitement ça choisi par haïtien qui là-bas et décidé voyer retourner ici en masse. Alors que situation sociopolitique, socio-économique pays a, situation sécuritaire pays a, est vraiment difficile. Et je pense que dans l'aide d'émission Foot là tout, monsieur font un tableau, monsieur peine un tableau de Haïti de Jodia. Et je pense que monsieur fait un travail de reportage pour l'administration Biden. Pour faire comprendre que peut-être Haïti qui est dans la tête, pays qui pense qu'il y a PD depuis X temps, depuis Obama. Donc à l'époque c'est Matelik qui était président. Donc depuis Obama il y a un bagage qui était qu'on fait pas oublier non Obama qui était président, il était tremblement de terre là. Donc il voyait la Clinton avec Bush était metté sous question haïtienne. Maintenant situation en Haïti a livin différent de par rapport à l'ère démocrate qui était là dans l'année 2010 2011 2012 que par rapport à l'ère vinn gagner et Trump qui vinn président aux États-Unis et Biden qui retournait là. Maintenant, et moi mieux n'a pas souligné dans déclaration Foutio et c'est peut-être un bagage que en pile haïtien toujours dit et États-Unis pas souvent by Haïti chance pour Haïti choisir dirigeant, même les moi dans pile interrogation sur ça. Mais yo estimé que faut ça a une sorte de relâchement que l'administration américaine t'a fait ou bien le gouvernement américain t'a fait par rapport à monde qui a fait politique en Haïti. Donc quitter monde qui c'est leader politique qui détermine qui avenir ouvre les pays yo, n'accompagner après nous-mêmes, quitter peuple haïtien aller dans élection, choisir monde que il veut pour qui diriger et monsieur dit au bagage que peut-être même m'a dit là tout temps. Monsieur dit penser que doit gagner un accompagnement qui fait sous plan sécurité à la police nationale pour résoudre problème qui gagne là parce que monsieur estimé que gouvernement qui là ou bien gouvernement qui passé yo c'est des gouvernements corrompus et gouvernement qui là faut expliquer que gouvernement ça a difficile pour mener nous dans l'élection pour faire pays à marcher
puisque monsieur estime que nous besoin un vrai accord politique, un véritable accord politique, puisque monsieur estime que bon, ensemble de groupes qui chita entre eux, qui fait des propositions, et groupe ça yo yo pas joine possibilité pour gouvernement qui la chita avec eux dans cadre accord que Ariel Henry dit que le joine pour monsieur capable plus ou moins sortir pays à côté lié. Et ça me comprend encore et me comprendre des grande bataille encore groupe là qui c'est groupe moun républicain qui accompagne ambassadrice américaine nan en dans pays à groupe moun sa yo yo toujours fait notre sorti. Et groupe Mounsa ou pas non, et yo te kon accompagne Jovenel Moïse. Et yo assassine Jovenel Moïse en bas là. Donc ça veut dire que même là où y'a pas accompagne yo, yo pas fait grand chose pour. Et c'est yo même qui te dit Claude Joseph que li là pour faire élection. Donc Mounsa ou toujours gen moun que yo accompagne, que des résultats, que pas des résultats, mais yo là. Et m comprenne qu'on y a question Lambert là, qui passe en bas dans le Parlement. Lambert qui était besoin d'un président, puisque Jean corps groupe là avec, si je comprends net là, Jean corps groupe là avec ambassadeur américain, ouais, par exemple, gouvernance Haïti pendant la période transitoire, ça, c'est pas comme ça Daniel Footwell. Et t'as semblé, d'après l'aide Daniel Foot là, que l'autorité qui est l'administration Biden, dans Washington, yo plus penché sous ça qu'un groupe l'a dit que ça Daniel Foot qui s'est envoyé spécial yo lui-même les rapporter parce que monsieur dit que tout ça lié essayer dire pour faire yo même yo rejeté par exemple son bien lire entre les lignes après Foot t'es pour un gouvernement bicéphale Foot t'es pour un gouvernement bicéphale mais administration américaine administration Biden non lui-même lui non gouvernement monocéphale puisque lui plus li rapport ou de compréhension politique moun ki nan corps groupe là qui en Haïti que par rapport à envoyé spécial et parce que c'est peut-être youn nan bagay qui t'a poussé Daniel Foot pour monsieur bay démission là il estime que là li fait des recommandations yo pas prend yo en considération donc et c'est une lettre que nous t'a dû garder et comprendre ni c'est une lettre que nous t'a dû prendre pour s'allier et c'est le tout qui dit que Foot comme envoyé spécial des États-Unis monsieur gain courage que André Michel Baguin monsieur gain courage que Yuri la Tortue Baguin monsieur gain courage que Guichard Doré Baguin monsieur gain courage que Edmond Supplice Baguin monsieur gain courage que Ariel Henry Baguin monsieur gain courage que Jovenel Moïse qui était président pas jamais gagné j'y suis assassiné. Donc monsieur gain courage que en pile nèg cap militer dans politique dans pays d'Haïti même là yo rend yo compte que blanc yo pas mené aucun côté avec pays parce que qui j'en voulait pour foot qui vient là dans espace un mois et demi monsieur a fait tout constat ça yo que l'administration américaine n'a pas aidé nous pour nous faire pays à sortir alors que nous-mêmes nous fait 20 ans, 30 ans, n'a deal avec eux, nous va jamais qu'à rendre nous compte au moins que yo pas pour nous gagner la paix la caille nous, yo pas pour nous gagner progrès économique qui fait la caille nous, yo pas venir effectivement aider nous pour nous faire démocratie bourgeonner en d'avia. Donc c'est une déception pour la classe politique haïtienne. Donc ça veut dire que qui là un qui pas kawé ça, deux parce que moi obligé dit pas kawé puisque politique en Haïti que c'est le sac dans pouvoir que c'est dans opposition yo toujours attendre qui dernière décision blanc à prendre pas oublier non ou est situation migrant rien là en pile haïtien de toujours croire que les Biden venir bah là a changé donc comme si Biden non son président haïtien c'est haïtien qui l'une les monsieur fini aux États-Unis là ban nous tout ça nous besoin de pour mettre Trump qui était problème là et en pile haïtien t'a goumé. Pour ce Joe Biden qui vient président de la République, nous avons fait des débats sur ça là. Nous avons dit que c'est d'abord États-Unis après, puisque il est pays. Mais yo même yo te croire. Et pas oublier non, dans l'année 2000, yo laisse à bouche. T'as le président en novembre. Eh bien, opposition de guerre à l'époque, là, la convergence démocratique, yo te croire que depuis Bush, tu es venu président, M. de Blasé Clinton, comme si Bush t'a jeté Aristide pour yo.
Et même Jean Tout, je te crois que depuis Biden de président, il a pris le pouvoir dans mes Jovenel pour le débat. Maintenant, pour moi, une compréhension de politique haïtienne non, par les acteurs politiques haïtiens, ou bien ils sont incapables pour regarder blanc dans les yeux, blanc, mais ça nous croit. Et nous sommes incapables de regarder blanc dans les yeux, mais ils sont incapables de nous mettre ensemble. Parce que faut nous dire ça, oui. Et Foot Kevin, qui dit Ariel, dégage là, et ou même, il a metté pour entrer en poste. Et puis, quand le groupe là entré en lice, qui fait le travail là tout, c'est après 12 jours, autant que je me rappelle, après 2 semaines, c'est après 2 semaines, le président finit assassiné. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, le président finit assassiné, nous avons mesure non pour nous dire mais ça n'a pas fait. Et même les Jodia, Ariel a dit qu'il a démissionné, ou bien même les Jodia, blanc ou d'amant d'Ariel démissionné. Parce que si vous démissionnez, pita la baillette là, c'est nous peuple en pile. Donc si blanc ou d'amant d'Ariel démissionné, pita là, on va trouver plus de problèmes encore. On va pouvoir pas de monde pour remplacer, pas de formule pour remplacer. Parce que là, on va pouvoir peine dans d'où, et il peut être président, on va pouvoir commission dans d'où, il faut être président. Laisse ça marcher pour la vie, il faut nous mettre 3 positions ensemble. Laisse ça groupe. André Michel l'a dit, pouvoir n'est pas mais nous n'est pas révoqué, nous mettons moun. Donc nous n'avons pas de pouvoir encore, donc nous n'avons pas de pouvoir, donc nous n'avons même difficulté. Moi-même, c'est lecture ça que je fais à partir de lettre Daniel Foot, monsieur écrit, côté monsieur présenté démission, déception monsieur, il fait le passé à travers lettre ça, et compréhension tout de la politique haïtienne, et compréhension aussi des acteurs politiques haïtiens qui barrent en mesure vraiment pour mettre tête ensemble. Parce que, et pas. États-Unis ou bien foot ou bien corps groupe pour qui t'a dit tout le monde qui là ou mettez tu ensemble pour joindre un accord inclusif ou une sortie pays. Tout homme dit salari, tout un gars dit salari, chaîne tout radio qui a dit salari, faut faire un accord inclusif. Bon côté ça et foot pour qui a dit administration américaine pour nous ça pour nous. Bon côté ça, Ariel Bakaoua, comme si nous avons avec groupe monde que l'Ichita li fait accord ça insuffisant pour faire pays à sortir de la crise que l'il y a. Alors comme si c'est foot pour qui dit ça. Hein? Alors comme si Scott Sandre Michel Anel Kasi Pakaoya pour dire Ariel mon cher on font petit camper n'a bon titan toujours on peut commettre gouvernement on nous aider on sauver pays là ou est-ce que rencontrer avec l'autre commission yo l'autre monde qui gagne des propositions yo pour nous ça n'a fait mais il faut qu'il fait et me penser foot nous belle soufflette et politique son leçon politique foot by acteur politique haïtien yo pour montrer que étranger qui vient là pas comprendre situation hein? Moun y a voué assez souvent pas comprendre la situation, hein? Yo juste dit nous allons faire élection, yo juste dit nous faire ceci, faire cela, pendant que moyen pour nous faire, nous ne gagnons pas. Très bon. Je pense que Marco dit l'essentiel, vraiment compliment, pour le niveau d'analyse et compréhension de l'être là. Moi, si je n'étais pas là avant, je comprendre que nous étions. Nous t'ai échangé avant, mais comme nous n'avons pas échangé avant, je pense que très correct, qu'on y a regardé pour moi, pour me faire un audit, dans ça peut-être nous ajouter sous question lettre là. Tout d'abord, il faut que nous disions, foot et vivre en Haïti, dans un moment côté, corps groupe là, échoué dans la politique qui t'a mené en Haïti. Parce que si le groupe n'a pas échoué, il va chercher pour mettre ou envoyer spécial en Haïti. Ça veut dire échec le groupe là. Et maintenant, il y a une grosse bataille qui a gagné entre et foot avec l'ambassadrice américaine. Au contraire, foot a pensé l'étape gagné et beaucoup plus d'espace si il y a eu temps de déplacer l'ambassadrice américaine. Ceci n'a pas été fait. Donc, les poules évoluer, les vignes pas qu'à évoluer. Mais foot a un peu d'amis dans la commission. Il a un peu d'amis dans le Parlement haïtien. Et dans l'être là, le monsieur finit excusez-le. Monsieur excusez-le devant monde qui a besoin de changement véritable. Il avait dit. Monsieur estime qu'il y a des gens qui l'ont rencontré qui n'ont pas besoin de payer à changer tout le monde. C'est ça, parce que monsieur dit ça. Monsieur dit ça clairement. Et monsieur dit, démissionnant,
il prend effet tout de suite. Ça veut dire, allez, depuis vous, il est là, allez. Nous mettons là, monsieur attaqué, dirigeant pays, gouvernement, et il prend parti en faveur haïtien que gouvernement américain expulsé. Il dénonce responsable ambassadeur qui était, ça m'a dit, confiné, mousse à utiliser, dans le complexe, avec une série de cas hautement sécurisé. Pendant ce temps, nous avons vu la misère et gang à manger monde dehors. Tellement nous nous peur. Pour foot, américains ont une mauvaise approche de crise haïtienne. Ça veut dire par contre ça crise à même. Et Gombaray que foot dit que Marco dit m'a reprendre. N'a pas excusé si me fait des répétitions, peut-être c'est pour me renforcer ça Marco dit. Et les îles font recommandations et ont pas tenu compte des recommandations. Ça veut dire, ça monsieur voulait pour tes fêtes là, gouvernement, non seulement ça n'a pas voulu, gouvernement Biden n'a rejeté. Et qu'on y a aucune demande de recommandations, nous ne pas connaître, mais puis devant, peut-être nous avons essayé ou ça. Et officiers américains, les dit peuple a fermé dans la pauvreté et la misère. Et le peuple a pris en otage. Gang armé prend le peuple en otage. Le kidnapping, le vol et le massacre qu'a fait. Monsieur dit, l'État effondré. Son l'État qui est incapable pour assurer la sécurité pays. Monsieur dit, les avoués, les Américains avoués réfugiés au Vini, ils peuvent alimenter en plus criminalité et peuple a pu désespérer. Et monsieur Américain dit, Haïti besoin d'une aide immédiate pour rétablir capacité gouvernement pour neutraliser gang. Qui aide immédiate, par exemple, Haïti a besoin? Ça veut dire même si on renforce les polices nationales. Est-ce que nous avons une capacité sur si on a nos moyens? Ça veut dire en filigrane, je pense que monsieur Mandé fort à gagner des troupes qui rentrent en Haïti pour venir mettre l'ordre dans les autres après ça pour renforcer les polices nationales. Et monsieur dit, le pays a besoin d'un véritable accord en société et acteurs. Ça veut dire, accord que Ariel fait, accord ça pas suffisant pour calmer et pour mener le pays ça sous voie démocratique. Ça veut dire, il estime à cause ça, pas capable, ça veut dire, il faut un accord, comme on a dit, inclusif. Mais sur l'autre bas, Haïti a besoin d'argent pour acheter un vaccin pour vacciner le peuple. Parce que monsieur, ouais, ici, il y a pile de monde qui est malade et il y a pile de difficultés, il y a pile de problèmes sanitaires dans le pays. Monsieur dit, il a besoin d'argent. Mais il faut foutre qu'on ait tout, il faut comprendre le pays à eux. Pays, ça n'a pas pris pas de cop déjà. Vous avez tout ouvert cop bail, mais comme ça, il volait, le volait. Et la justice n'a pas en fait. Et monsieur, dans l'état, monsieur Jean, frappé me folle, elle dit, Haïti n'a jamais une stabilité. Si le peuple n'a pas choisi le dirigeant levé de manière juste et démocratique. Et foutre vle un accord plus inclusif. Il y a un désaccord avec l'autre ambassadeur qui soutenu Ariel. Monsieur René Zaccord, côté monsieur qualifié Ariel de facto de non-élu. Il dit communauté internationale là, toujours à soutenir les gens qui paraît gagnant, avait dit Ariel. Monsieur dit, schéma ça, il a toujours adopté dans l'histoire en Haïti, et schéma ça, pas jamais porté fruit, il a toujours bail de lourdes conséquences. C'est catastrophe que le bail, désaccord, misère que le bail et États-Unis. S'il soutenu chez Massa, continue à soutenir chez Massa, même Mounsayo a toujours continué à poser problème by Haïti, a toujours gagné migrants. Nous faisons des constatations que Marco a dit un peu là-dedans, même que j'ai évoqué. Premier bail, vous me dites, faut échouer. Première constatation, c'est l'échec de l'envoyé spécial en Haïti. Parce que M. Afrin, M. démissionné. Monsieur va même rendre un rapport public. Son lettre. Lettre là par un rapport. Foutre
a échoué. Deuxième constatation. Que se dit, M. Defflé est encore plus large avec tout le monde. Et surtout avec la commission dirigée par Magali. Troisième constatation. Monsieur soutenu, comme on m'a dit, la logique ou bien l'exécutif bicéphale. Avec un président et un PM. Quatrième constatation. L'on il n'est pas bien où est l'initiative Dioa, bon monsieur même qui te fait. Parce que Dio, pas oublier, nous me dit ça. Et Dio n'est pas un idiot, je viens de dire ça. Oui, Dio n'est pas un idiot. Dio m'a couru. Ou bonjour avec Dio couru. Alors comme ça. C'est foot même qui te voulait, monsieur, fait ça. Foot t'a mal fait un coup de force. Et mais quelque part, et quelque part ce foot là, il a dit le co-groupe, il a bloqué. Donc c'est eux qui fait, bagay ça n'a pas passé. Nous dit Joe, nous dit donc, foot dans la logique de la commission de Magali. Et foot te vle gon arrangement fait avec l'équipe Magalia pour te rendre accord que André Michel signe avec l'autre parti. Un accord beaucoup plus inclusif, un accord qui est capable d'inspirer beaucoup plus de confiance à la communauté internationale. Mais dans l'être là, ma cause dit, on j'en m'a dit l'on. Foot monter le plus haïtien que haïtien. Monsieur condamné le comportement du gouvernement américain. Toute notre politique ici de paix. Mais foot tout en de bonnes positions pour le faire. Parce que c'est un homme, un envoyé spécial, un homme indépendant. Son niveau politique exceptionnel. Il n'y a pas qu'à faire représailles contre lui. Et bon père, il y a une répression pour liberté de la parole. Vous comprenez? Ici, si nous reprochons ça, il y a tout le monde dans le film. Moi, ma cité, non. Nek sa ou pas jamais fait ça du tout. Et c'est qu'on est ou pas qu'on a. Si on fait ça, Américain ou pas pour aucune sanction contre vous. Elle est on a droit. Elle a respecté nous. Elle est on a droit qui a pris sanction contre vous. C'est la contrebande, il n'y a pas sanction contre vous. Ok. Donc, foot veut intervention étrangère pour aider combattre gang. Mais les deals, les voiles. Finalement, faut aller sans le régler rien. Le cas haïtien est un autre cas. Échec de foot, échec de l'administration américaine en Haïti. Donc, si les Américains ont échoué, il y a deux bagages qui sont arrivés. Parce que faut blason quand même. Il y a cherché un gens pour ranger la situation. Et c'est avec acteurs politiques. Maintenant qu'on y a un nègre qui lit bagay là, parce que c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je vais marcher sur la pointe des pieds, je vais me rendre au Palais National, Marco. Comme foutre échoué, il y a une rumeur, là je me dis rumeur, mais je ne sais pas si rumeur, concernant le Palais National. Et c'est la nouvelle. Nouvelle, ça va dire qu'il y a un peu de problème. Même souhaité que tout le monde comprenne ça, me va dire. Ariel font passage en force dans la publication à quoi? Secrétaire général Palais a écrit toilette, une ministre culture. Un directeur général prestationnel là, un chef primature. Lui dit yo, yo violé la loi, les normes, les principes, etc. Mais ce que le général a toujours dit à rien, que le pape lui est à quoi, si pas signé par ministre et dans le conseil des ministres. Donc, Ariel font passage en force. Puisque le président mouille, il a été assassiné. Passage en force, ça, il doit interpréter différemment. Mais même pour moi, passage en force, ça, c'est un passage qui est fait de manière illégale. Puisque, il y a un pile illégal, il y a. Même pour le ministre, il est illégal tout parce qu'il n'a pas passé verbalement. Secrétaire général, lui-même qui n'a pas ça, président pas là,
Vous comprenez, je connais qui force les gains, secrétaire général. Ça veut dire nous avons une situation d'illégalité. Mais, si l'accord n'a pas publié, pas de l'accord. Et si le ministre a signé l'accord, il n'y a pas signé l'invocation. Donc, le ministre n'a pas signé l'accord. Même si l'accord est largement large, le ministre n'a pas signé, au moins c'est une force politique qui exprime clairement, ou qu'il y a un, deux, trois ministres qui signent, mais qui n'est pas signé, il n'y a pas comme ça. Il a quitté quand même un nos gardiens, il a quitté quand même un problème. Donc, la crise est totale, crise là, toujours là. Lionel Valbrun, secrétaire général Balaire, est aujourd'hui l'homme fort du pays. Puisque le montrait, l'écrit, il condamnait, et puis il montrait fausse. Faut comprendre que Valbrun est loin d'être l'humériste. Pour plusieurs raisons. De ce bras de fer, Lionel Valbrun est capable de cacher derrière la force des armes au cas où Ariel tenterait de le révoquer. À savoir les unités spécialisées, la force des armes, les unités spécialisées. Pour faire quoi? Un, pour se protéger. Deuxièmement, pour organiser si possible un coup d'État. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Suite aux actions posées par le Premier ministre Ariel. On parle de coup d'État au niveau du Palais National. Et donc, ces policiers qui ne Palais National. Et déjà, la police est proche du secrétaire général. N'attend que son mot d'ordre pour installer Valbrun au pouvoir comme président provisoire de la République. Abdi, je n'invente rien. J'ai rencontré des policiers qui sont au Palais National et on dit, c'est ça qui a parlé tout le temps. Un coup d'État avec à la clé, protection de policiers, de certains policiers qui en situation difficile, qui t'a fait erreur, bavure, non assassinat Jovenel là. Parce que ça qu'on est, ça n'est pas arrivé. Parce que tu as quitté mercenaire, tué Jovenel Moïse. Qui t'a m'expliquer autrement? Tout policier qui t'a impliqué dans le vote aux enchères de Jovenel, il connaît pertinemment que vous n'avez pas prêté dans le palais national après le règne de Lionel Valbrun. Quitter le palais national de l'inspection générale à Ponte de San. Et quand pile au gars sauvé et unité ça yo yo pral passer melade yo et c'est normal la unité fin fond comme ça pas aucun président qui a pris chance pour venir chita nègre. Donc un coup de force, un coup d'état capable de renforcer nègre parce que là, ça sont question de rapport de force. Donc nègre ça yo qui connaît au capé du Diobio, le mieux c'est d'encourager Valbrun à prendre le pouvoir. Arrêtez Ariel et livrez Ariel dans le couloir de la justice. Il y a des babes du Sérène Bois. Il est content s'il était là, pas la pile. Oui, il faut reprendre même. Monsieur Tavard dit oui, il faut reprendre même. C'est madame du Sérène. Oh, campagne aujourd'hui. Ah, monsieur, tout le soir, monsieur, campagne, monsieur. Campagne, monsieur, ouais, on a vu dans la lèvre. Donc, c'est tout ça qui a passé. Mais vous avez aimé, comme si, si on fait un coup d'état, il y a arrêté Ariel. Et on a tué Ariel. Ça qui arrive. Et c'est ce que c'est trame actuellement au niveau du Palais National. Mais Valbrun est encore hésitant. Bon. Et tout le qui signe à quoi il y a pas de difficulté. On dit Michel Nenel. Tout le monde qui en difficulté. Chose. Hein? Qu'est-ce qu'on est comme en difficulté? Parce que, il y a un nouveau pouvoir en Haïti. Hein? Non, je suis assis. Qui est-ce? Tu as assis. Regardez, tu as un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Eh bien, on est présent de moi aussi. On a besoin.
Ou même si José n'a pas sien, soit pour Ariel, ou remarquez ça, il va vrai. Donc. Pour avoir un assassinat successif, pour avoir une revanche dans le pays, pour avoir une vengeance, et le pays sera livré en gang et boutis. C'est tout ça qui a cramé là. Il faut négocier. Et il y a plus qu'un fugé, moi, pendant, et Marco, il y a plus de misère. Et ce sera le sauve qui peut général. Si coup d'état ça fait. Attention. Je vais confirmer là, on peut en panique, et la communauté internationale là, suite à ça, ils ont invité Valbuena dans le grand caillou. Marco, je ne sais pas ce qui a été dit, parce que papa est menti, Marco, ça a été dit, mais Valbuena a été invité dans le grand caillou. Il parle avec monsieur. Donc, on y est, si on parle à Valbuena, on si Balboa était calme, cool, tranquille, l'entendu avec Ariel, et puis où regarde, c'est que Blandi le baladonne. Si aucun de là, ou après le début semaine là, beaucoup d'attaques faites, c'est que le blanc a dit à Balboa qu'il peut prendre le pouvoir. Et là ça, pas de monde qui a dit ça qui va le passer. Nous sommes déjà un peuple humilié. On a besoin. N'oubliez ça. Nous pas pas oublier ça, m'a dit, non. Nous sommes d'analyser. Et les formations concernant le coup d'État éventuel, c'est ce qui se dit. Mais je ne sais pas si Valbrun épouse, ok, ça n'est qu'on envie de faire. Maintenant, moi, je dois dire au PM Ariel Henry. C'est Ariel Henry. Monsieur le docteur Ariel Henry, de trouver un accord ou une entente rapide avec le secrétaire général. Et j'ai dit aujourd'hui à Monsieur Valbuena de ne pas se laisser influencer par ceux qui se disent proches. Parce que j'étais tout dit aux proches de Jovenel, les Jovenel ont mouru ou tout abandonné, et qu'il n'y a aucun vanni. Ariel, je demande publiquement à Ariel, pour éviter un coup d'État, mon cher Ariel, on ne révoque pas un homme armé ou bien un homme à la tête d'une troupe aussi revancharde. Là, on trouve une fois, pour montrer solide. Pour lui, il va faire un Marco. C'est sûr, tu as voulu. Pour montrer solide. Même si on était bas devant 18, 20, 23 Colombiens. Donc, le secrétaire général dirige l'USP, USGPN et 4. Attention! Moi-même, je n'ai pas besoin de belle merveille. Il faut comprendre, si on coup d'état, je dis à nous, net, et blanc, pape vini, nous tout dit nous ça. Il a sacrifié nous, blanc, pape vini. Parce que le blanc n'est pas intéressé à Haïti. Il y a plus de monde qui a couru, et il y a plus de verrou, il y a plus de cheval. Il y a battu plus. Parce qu'il y a plus de monde. Et il faut me rappeler, nous, je continue au courant, monsieur, il y a 19 000 personnes qui sont bloquées. Par en bas pour nous, mais en route, que vous pouvez aller sous frontière. États-Unis. Ouais. Alors, monsieur, je vais finir, je dis, non. Suite à ça, il faut me dire à Ariel, avec Valbuena, monsieur, entendez-nous. En même temps, nous n'avons pas besoin de l'autre directeur général de la police qu'on y a là. Et moi, je dis ça. Révoquez-les, mettons l'autre nègre, et même situation. Tant nous, président monté, président choisit un nouveau directeur général. Ouais, pour ne pas. Vous mettez tel ou bon nègre, vous mettez le nègre à faire un an. Après un an, Moïse monte comme président, Jude monte, choisit le directeur général, ou fait un gars passer. Il n'est pas amené comme même pour nous, ou même pas amené comme même. Quitte la mission, mettre en commission, et d'elle fait bah, ça. Et nous devons dire tout, Ariel, mon cher Foïd fidèle à Jovenel, président est dit, ou qu'a révoqué tout le monde, il y a deux mounes. Assurez-vous que deux mounes, ça vous mettez en confiance. De mon yoko qu'on est déjà mettez en confiance. Donc, papa, non, c'est que le gros chef gang qui mourit,
Je vais citer non. Mon chef gang qui mourut. On ne vous en va pas citer non. Et bah ouais cadavre. Mais qu'on disait nègre qui qu'on a battu avec qui dit qu'il mourut. Il est blessé mortellement. Il est mené dans l'hôpital et il est mort. Mon pape dit qui est. Pour s'il pas mourir, il va venir dire qu'il ne peut pas chanter dit qu'il mourut. Et c'est à la police pour dire qu'il mourut. Donc, entend. Alors, je conclue, vraiment, je conclue, pour me dire, je dis à fondement, continuez à demander justice pour Jovenel. Faut continuer à demander justice pour Dorval. Mais pays a son mauvaise pente. Si coup d'état fait, on va libérer les prisonniers politiques. 10 jours après, libérer les prisons. Si coup d'état fait, tout Colombien va aller. Attention! Si Colombien est allé, pas de justice encore pour Jovenel même. Donc tout n'est qu'à faire coup d'État, je dis, comprenez bien, ou pas qu'à faire coup d'État contre le cadavre Jovenel. Ou qu'à faire coup d'État pour faciliter Nèg Jovenel retourner sous pouvoir, en même temps, il a libéré prisonniers, prison à craser. Mais non, axe coup d'État qui ça même, craser prison hein, pour prendre notre nègre pour nègre sortir dehors. Donc, m'attirer attention à toute l'autorité sur ça. Ça qui intéresse moi-même, faut que je donne justice et faut que l'on me arrête en prison. Faut juste destruction dans des Colombiens. Pas un coup d'État, je dis à qu'à prendre le pays. Coup d'État a dérangé le pays. C'est protéger pour ne pas protéger Jésus pour ne pas mourir. Place à Ariel. Pas un monde qui a protégé Ariel ici, on peut remplacer Ariel. Ou quand cherche un président provisoire, ce n'est pas nous qui mettre. Ou quand mettre notre premier ministre, ou mettre Gadi Leblanc. Ou quand mettre Jolan Bel, pas un problème. Mais à faire coup d'État, pour libérer les prisonniers politiques, bah, ça a depuis le fait, le pays a fini net, c'est ça que le couler. C'est ça que je voulais dire, Val. Bon. En tout cas, Gary, par rapport à la description que tu fais, la bataille qui est entre différentes autorités qui t'a supposé et mettre qu'ils ensemble pour diriger le pays, dans un contexte spécifique, ça, et il traduit clairement ça que m'a dit quelques jours ici. Moi, toujours dit que nous sommes en situation d'anarchie. Côté que pas de hiérarchie réellement qui respecte en termes d'autorité. Parce que moi-même, moi l'être yo. Moi ouais l'être et secrétaire général là, vous by directeur et presse nationale là. Moi ouais l'être et en fait. Secrétaire général là, vous voyez, bah, PM Ariel Henry. Donc ça veut dire, nous sommes en situation tête chargée, en situation d'anarchie, côté que question principale pas respectée, la notion d'ordre n'est pas respectée, ou pas contre qui yes, comme gouverner. Et ça peut être provisoirement ou en partie d'accord avec Marco, les Marco nous concernent dans une situation constitutionnelle. Oui, c'est vrai en partie. Mais moi, j'ai arrêté pour te en fait remercier le ministre de Justice, moi, au visé constitution. Bah, on est pour que ça au visé. Donc, situation, ça, c'est des situations qui sont délicates. Et m'a demandé même est-ce qu'on va dans une situation qui est plus explosive que pendant le président Jovenel était là. Parce que tout le monde connaît le président Jovenel, son président qui est élu. Même si pour certains, donc.